وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le prophète a dit à cette personne, « مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيَ فَأَمَّا حَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يَحْذِيَكَ إِمَّا أَنْ تَبْتَعَ مِنْهُ إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَأَمَّا نَافِخُ الْكِيَ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ خبيثة. Il a dit, le compagnon vertueux est celui qui ne l'est pas, est comparable à celui qui porte du musc, le vendeur de musc, et le forgeron avec son soufflet. Celui qui porte du musc, soit il t'en offrira, soit tu en achèteras de lui, il t'en vendra, soit tu sentiras de lui une bonne odeur. Donc tu profites dans tous les cas. Alors que celui de forgeron qui souffle avec son soufflet, soit il te brûlera tes vêtements, soit tu sentiras de lui une mauvaise odeur. Donc tu seras perdant dans tous les cas. Voilà l'image qu'a donné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur la compagnie vertueuse et celle qui ne l'est pas. Donc fréquenter les gens vertueux va avoir un impact sur toi, sans conteste. Et fréquenter les gens pervers, fussaq ou al-fujjar, aura aussi un impact sur toi. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah disait, « فَلْيَنْظُرْ كُلُّ أَحَدٍ أَيْنَ يَضَعُ قَدَمَهُ. Que chacun d'entre vous regarde où il pose les pieds. Qui tu fréquentes, avec qui tu es. La personne est sur la même religion que son ami intime. Il est impossible que quelqu'un qui essaye de suivre la sunna correctement se retrouve avec un débauché, où il le fréquente comme ça, H24. C'est impossible. Soit il est comme lui, mais il se donne l'apparence de quelqu'un de vertueux, soit c'est le contraire. C'est que cette personne-là, elle cherche la compagnie des gens vertueux. وقل رب زدني علما.